Pour la première fois en Tunisie, trois détenus ont quitté leur prison sans menottes et sous un contrôle policier discret pour réaliser un documentaire. Une expérience pour laquelle ils ont reçu une formation en amont pendant 8 mois au sein de leur prison et qui, pour certains, s'est transformée en véritable projet de vie. J'ai appris beaucoup en faisant cette formation. Maintenant, quand je rentre chez moi, j'ai une idée de ce que je voudrais faire à l'avenir. Je pense à créer une société de production ou à travailler dans le domaine du cinéma. Par exemple, aujourd'hui, j'ai rencontré des réalisateurs et des personnes qui ont regardé ce que j'ai produit et ma façon de travailler. Ça me rend heureux et ça me motive à me lancer dans ce secteur d'activité. Pendant une semaine, caméra au point, les prisonniers ont filmé et interviewé des participants des journées cinématographiques de Carthage, les JCC. Notre objectif était de donner à ces détenus une passion à travers la culture. Pour moi, quand on atteint cet objectif, c'est déjà une bonne chose. Ensuite, c'est à eux de décider s'ils veulent progresser, produire leurs propres œuvres ou au moins devenir des consommateurs passionnés de produits culturels qui auront un impact sur eux. Car cette prise de conscience aura à son tour un impact sur leur comportement. Ce documentaire, qui a été projeté à la clôture samedi de la 32e édition du Festival international de cinéma de Carthage, a été décidé en partenariat avec l'Organisation mondiale contre la torture et le Comité général des prisons et de la rééducation. Les journées cinématographiques de Carthage viennent du peuple et existent pour le peuple. Il ne faut donc pas exclure ces détenus car ils font partie du peuple tunisien. Certains vont sortir de prison, il faut qu'ils s'habituent à aller au cinéma. L'objectif ici est de les passionner. Et quand ils regardent des films et arrivent à en débattre, on peut dire qu'on a déjà gagné pas mal de choses. Et pour la 7e année consécutive, des milliers de détenus ont assisté à des projections de films des JCC dans leur prison.